Salut à tous! Dans cet épisode culinaire, je vais vous montrer comment faire un vrai panna cotta comme en Italie. Cette recette nous vient tout droit de la région du Piémont, située au nord de l'Italie. Pour la réalisation de vos panna cotta pour 8 personnes, vous aurez besoin du matériel suivant. Vous aurez besoin également des ingrédients suivants. 500 g de mascarpone, 25 cl de lait, de l'extrait de vanille, une gousse de vanille, 100 g de sucre, des cerises amarena, 3 grandes feuilles de gélatine. Mettez la gélatine dans de l'eau froide pour la ramollir. Mettez le lait dans une casserole. Fendez la gousse de vanille. Grattez l'intérieur et mettez les graines dans le lait. Faites chauffer doucement. Ajoutez le mascarpone. Et mélangez bien pour le faire fondre. Ajoutez le sucre et l'extrait de vanille selon vos goûts. Chauffez le tout et arrêtez le feu juste avant l'ébullition. Égouttez la gélatine ramollie, ajoutez-la à la préparation et mélangez. Laissez infuser le mélange durant 5 bonnes minutes. Versez la préparation dans des moules. Laissez prendre au frigo pendant environ 4 heures. Démoulez vos panna cotta. Vous pouvez voir les graines de vanille sur le dessus. Pour les agrémenter, vous pouvez les napper de miel, de confiture ou de coulis de framboise par exemple. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est la cerise amarena. Et voilà, maintenant, il vous suffit de déguster une bouchée pour vous transporter en Italie. Je vous laisse entre gourmands pour déguster ce délicieux panna cotta. Arrivederci!